Oh oui, voici le vlog en français. Le temps attendu, le précieux, le délicieux, le délicat. Ah, nous sommes sur le vlog en français pour vous en exclusivité. Donc tu lâches un like. De suite. Je veux que tu lâches un like. Voilà, maintenant que tu as appuyé sur le pouce qui va vers le haut, tu peux attraper tes pop-corn, t'asseoir, te détendre. Tu vas maintenant regarder un vlog délicieux, délicat de... Un vlog de quoi? Un vlog de flibustier, un vlog de fripouille, de pirate, d'influenceur. Oui, car avant tout, nous sommes des influenceurs. Voilà, je prends le statut d'influenceur comme ceci. Et nous allons te parler qu'en français, en exclusivité pour toi, car je sais que tu adores. Pour ce faire, aujourd'hui, je vais tatouer rien d'autre que le magnifique, le sublime, le prétentieux, mais à la fois humble, Nicolas Valsant. Merci beaucoup. Allez, sans plus attendre, on arrête les bêtises et c'est parti pour le vlog en français. Je sais pas pourquoi je dois en faire autant quand je suis en français. Je crois que je suis à bout. Putain, je craque. Tu te calmes. Après cette introduction assez vigoureuse qui vous a certainement ravigoté, nous sommes enfin au studio. Mais attends, mais est-ce que tu te rends compte de la variété du vocabulaire français? T'y as déjà pensé? T'y as déjà réfléchi? Non mais réfléchis-y. Plus sérieusement, nous allons enfin nous calmer. Et aujourd'hui, je tatoue Nicolas, encore une fois, sur sa jambe. Ça va être comme d'hab, hein, on a aucune idée de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on va faire? Aucune idée, on a une heure pour choisir. Une heure? C'est le temps que tu m'as accordé. Y a pas plus. Sinon, tu me défonces. Non, sinon c'est mort, tu me tatoueras plus jamais. D'accord. C'est un honneur que je te fais. Oh, c'est un honneur. Ouais, Marco, c'est un honneur pour toi. Tu ne tatoueras plus jamais. Donc, nous avons qu'une heure qui nous est attribuée pour... mais je fais des liaisons, mais sublimes, quoi. Qui nous est attribuée pour décider du design. Donc, on va s'empresser de regarder sur Pinterest, Google et autres sites de référence comme UGs ou Pornhub. Ah, ça, tu connais, hein. Ça, tu connais, hein. On n'est pas capable. Alors je prends mon ordinateur, le voici, je fais partie de l'équipe sticker sur l'ordinateur. Nous nous asseyons sur ce canapé de bon augure et nous allons commencer nos recherches. Tranquillement, oh c'est le matin, oh. Et ensuite, dès qu'on a un petit peu du nouveau, du côté des références, je vous fais un petit signe, comme okay. Ceci. Un petit topo, voilà, c'est ça. On va vous faire un petit topo sur ce qu'on va faire et je vous amène avec nous de A à Z. Et en plus, il y aura sûrement Sergio qui va passer. Car non. Je sais. Ouais, non, c'est vrai, ça dalle. Oh, fais chier. Ouais. Fais chier. Bah, tu peux arrêter de regarder, en fin de compte, Sergio va nous pourrir la vidéo, donc. Éteins l'ordi carrément, ferme-le, va te coucher, quoi. Il a tout plombé, quoi. Donc ça c'est ce qu'on a fait il y a 10 jours, c'est encore un peu en train de cicatriser, tu vois il y a un petit peu de brillance. Tu peux voir que c'est pas totalement fini, mais je trouve qu'on est quand même déjà pas mal, les gris se sont posés, une apparition de Chula dans le fond. Et là tu vois, c'est ce que nous avons pour aujourd'hui, donc comme tu peux le constater, il y a quand même un bon bout de peau, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Je ne suis pas bipolaire. Ça va toi sinon dans la vie? Bah, je me pose des questions. Parce que bon... Ça leur donne cette impression de... Cette impression d'être heureux, d'avoir de l'énergie alors qu'en vrai, d'être la caméra. Alors c'est la merde. T'enlèves la caméra, c'est la merde. Moi je vais chier quelque chose de propre aujourd'hui, avant qu'on commence. Merci pour cette information qui nous était indispensable. Je vous laisse tout savoir. Bon, ça va faire une heure. Faut qu'on se bouge le cul là, sinon on annule tout. Donc nous n'avons pas trouvé de référence adéquate. Donc aujourd'hui, ça sera... du freehand. Je vais me servir de ces deux sharpies pour pouvoir taper un freestyle sur la jambe de Nicolas. Et nous avons Chula qui nous soutient bien évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer à dessiner. Pour le moment, ce que j'ai dans la tête, c'est un squelette. Après, je verrai ce qui va avec. Peut-être un squelette avec une couronne de laurier, genre César, genre truc grec, genre truc masculin, parce qu'on n'est pas des mouviettes. Ça commence très très mal. Mais en fait, c'est juste pour faire balance avec... trop de douceur. Ouais, c'est très... En général, tu vois, il faut toujours quand même, là, tu vois, c'est très doux, une femme, des feuilles de cerisier, un petit oiseau, à tes souhaits, tu l'as. Non mais oh, tu dis merci quand on te dit à tes souhaits. Et donc, du coup, juste un petit peu pour que, si tu veux, il y ait une sorte de balance dans la composition de ce tatouage et que ça fasse pas que doux, clair. On va essayer de mettre un truc qui va un petit peu contraster avec un truc un petit peu plus dur, un petit peu plus brut. Donc voilà, ça fait aussi un peu le côté le roi mort, le roi déchu. Et la femme, je sais pas où je vais avec cette explication. Mais on va essayer de faire ça. Donc je te tiens au courant, je commence à dessiner et je te montre. Donc là c'est la première couche, c'est vraiment très cochon. C'est pas très... bon y'a rien quoi en gros. Mais c'est la structure dont je vais me servir pour commencer en fait. Here's step number two, I'm starting to define the shapes a little bit more. I'm gonna try to incorporate it with the rest of the sleeve. I'm gonna add more elements to it, a little bit more detail and some background.
Ok, je viens de me rendre compte que j'avais fait toute cette phase en anglais. J'ai trop l'habitude. Du coup, celle-là, vous l'avez en anglais, tant pis. Voilà, j'ai fait quelques rectifications. Et ça, c'est le rough final avant que je fasse des lignes un petit peu plus clean, un peu plus détaillées. Et c'est à partir de ça que je vais tatouer. Donc là, nous arrivons à la fin du dessin, quoi. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est aller faire une petite sieste. J'ai trop envie de dormir là. Plus du tout envie d'aller tatouer. On a commencé l'ambiance un peu trop excitée sur le vlog. On était énervés. Il y avait... Bon, c'était sympa, c'était nouveau, c'était le vlog en français. Je ne suis pas bipolaire. Il y a le drop du café, maintenant plus rien. Maintenant que le café, maintenant que la caféine a fait son effet, maintenant que j'ai vidé toute ma créativité. C'est une couronne de cerfeuil. De laurier. Voilà, de laurier. C'est la dernière fois que tu dis cerfeuil. Je suis désolé. La petite fumée qui passe bien. Ouais, 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 aïe, aïe, aïe. Une tête de mort. Tête de ses morts. On fait un pélo de ses morts sur ma jambe. J'ai l'impression de le filmer ce bâtard et le mettre dans le vlog. Et oh, tu dis pas de ce bâtard. Merci. Là, tu vois un petit peu mieux à la lumière comment c'est en train de cicatriser. Vas-y, Nico, fais voir l'autre côté. Et donc là... C'est ce qu'on a pour le moment. Et là on prend une pause pour manger. Et après manger je vais attaquer le bas. Je sais pas encore ce que je vais faire mais j'ai une petite idée. Et ensuite je vais venir sur le haut. Ce sera demain. Je vais freestyler tout le haut. Pareil je vais le dessiner directement. Et ça c'est ce qu'on va manger présentement. Voilà. Cuisiner avec amour. Je me le bichonne le Nico. Qu'on a une petite salade composée avec des pâtes faites avec des légumes d'amour. Je sens que ça a été fait avec amour. Beaucoup d'amour. Je me disais, maman, si tu regardes, désolé, je mangeais avec la bouche pleine. Pardon. Je me disais que si vraiment ces vidéos en français avaient trop de succès, et vu que c'est sûr, ça va casser les couilles aux anglo-saxons qui vont rien piper, et eh ben peut-être que je devrais faire une chaîne YouTube séparée tout en français. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vaudrait le coup? Parce que ça fait encore du travail en plus. Et Bibi, il en a marre. Voilà. Deux fois. On va voir les retours qu'il y a déjà sur cette vidéo, s'il y a des vues, si ça tourne bien, etc. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous ferait kiffer, est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'on vote Le Pen. Ça jamais de la vie. On va faire une blague à Nicolas. Oh le bâtard. Il est trop con, je m'y attendais. L'arrivée fantastique. L'arrivée fantastique. Ouh. Avec fils et fiston. Putain. Ah ouais. Oh là 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 là. Mon dieu, ça va être fantastique. Je rajoute la zone du bas ici. C'est le bordel. On va pas se mentir. Mais on va continuer. Sergio vient d'arriver. You know what I'm saying? On ne peut pas parler en anglais, Sergio. Alors comment ça va les Français? Un vlog en français? Hein? Pour vous? Hein? Bande de flibustiers. Ah, vous l'attendez? Les flipous, hein, les flipons, les canailles. Flipons. Bon, on va vous expliquer quelque chose que nous pratiquons tous les jours qui s'appelle le vocabulaire de liberté linguistique. Ce sont des mots qui sont inventés et ou aussi détournés. Donc par exemple, le mot cossu. Qui signifie dans la langue de Molière. Qu'est-ce que ça signifie le vrai terme? Bon, cossu, définition. Qui a une large aisance. Et pour nous, cossu, et cossu qui peut être aussi détourné en cossoule, ou alors, cossulité. Comme, adjectif cossulité. Exactement. Qui signifie pour nous que tu es un petit peu, tu vois, tu es tanké, tu vois. Tu es tanké, soit de manière musculaire ou de manière grasse. Ah. Par exemple, putain, cette meuf est très cossue. Elle est très cossoule. Ça, ça veut dire qu'elle a une cossulité qui fait que c'est une grosse unité, ça va être dur à la bouger. Ouais. Et ça, ça veut pas dire qu'on aime pas les meufs cossues. Ça, c'est pas vrai. On apprécie les meufs cossues. On apprécie les calibres 1, 2 et 3. Il y a aussi quand vous avez le ventre un peu rond, totalement rond, ça vous pouvez dire que vous avez le ventre boule ou que vous vous sentez boulu. Si par exemple vous êtes boule et que vous sentez, tu sais, c'est parce que t'as mangé trop de douceur, donc là d'un coup tu deviens doulu. Quand t'es cossu, donc t'es planté mais t'as une petite couche de gras, ça veut dire que tu n'es pas décidé, tu n'es pas sec. Tu es donc doucu. Et là ça c'est 2-3 trucs, hein. C'est un langage très complet. Thank you.
Pour les fétichistes des pieds, tu vois, pour les, tu vois, les gens qui aiment bien ça. Mais tu peux en plus te faire un petit, tu vois, si t'en veux, là, j'ai pas mal là. Ouh, ouais, là c'est bon là. Encore une fois. Alors, on va pas trop le faire quand même. Nous avons Pierre avec nous. Dans la place. Qui est un de nos acolytes, et non pas alcoolique, hein, oh non. On est sur un blog 100% français aussi. Donc là, c'est BF. Français. Donc aussi, vous pouvez checker Pierre sur son SoundCloud. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Voilà. Sale club! Sale clepton! Voilà, donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est une session assez courte, juste les lignes en fait. Je veux pas trop irriter la peau pour demain parce que je vais mettre la sauce demain. On va faire tout ce qu'il y a là et on va tout ombrer. Donc voilà, verdict. Vas-y, hein. C'est la catastrophe. Pour rester très 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 serein, très faut pas montrer qu'on a mal, très faut l'accepter. Tu peux, très détendu. Tu peux lâcher les petites caisses hein, pour te... Ouais, mais je vais t'en mettre plein les demain. The next day. Il est extrêmement tôt le matin et comme vous pouvez le constater, j'étais avec une femme la nuit dernière. Et moi, ce que j'aime, c'est le matin surtout une bonne clope après l'amour pour aller avec ma voix un peu rock. Voilà, il est très très tôt et nous allons nous préparer pour commencer cette journée de tatouage. Et comment qu'on se sent? On se sent un peu... Qu'on se sent comment? On se sent un peu avec la voix du matin. Voilà, voilà ce que nous avons. Bah c'est très moyen quoi. Nous sortons à présent Chulwez, qui se trouve ici. Nous allons au Carrefour Market pour chercher des myrtilles congelées pour mettre dans le petit déjeuner. Et si t'es intéressé de savoir le style d'exercice qu'on fait le matin, eh bien tu devrais me suivre sur Instagram. Je te mets mon nom Instagram juste ici. Et tu peux aussi le retrouver dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Oh, 2020 les gars. Pour ramasser le caca, je te respecte, tu ramasses les caca de ton chien ou de tes enfants si tu sors tes enfants à l'aise parce que j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. Et gentiment, tu le mets dans la poubelle de Tupac. Car en fait, c'est un mensonge, hein. Tupac n'est pas mort, il est en vie et il est à Bordeaux. Allez, viens, on va chercher les myrtilles. Tu vois, ça c'est l'homme moderne. Ça c'est le tatoueur 2022. Il balade son chien, le chien porte la muselière, il a un pantalon un peu cintré, il fait le malin, il a une tête de con. Plus foncé. La Badoit, la Sampé, la Le Perrier, la Heineken. La Le Perrier. La Le Perrier, Le Perrier. Ouais, fais attention. J'avais un mec dans ma classe qui s'appelait Christophe. T'avais un mec dans ta classe? T'avais un mec dans ta classe? Tu crois que les gens ils en ont quelque chose à foutre sur YouTube? Ouais, regarde. Ça fait 4 fois que tu le fais. Regarde ce que t'es en train de faire. Tu ramasses. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Allez, balade ma chienne et ferme ta gueule. Putain, c'est vraiment une ordure. Ah putain, je suis obligé de faire cette contre-vidéo pour vous dire, prenez pas ça sérieusement parce que on se parle pas comme ça d'habitude. Enfin, si. Mais ça reste de l'amour avant tout. Ça reste de l'amour, ok? Alors vous excitez pas le slip dans les commentaires là, hein. Petit déjeuner de champion, tu connais déjà la recette. Si tu la connais pas, je te mets la vidéo du vlog d'il y a 2 ou 3 semaines où on te montre. Toutes mes médisances de tout à l'heure, depuis hier, enfin depuis qu'on se connaît, depuis le début de notre vie, c'est maintenant qu'il me les fait payer. Même si c'est la plus grande douleur, je m'en fous, je montrerai aucune expression, je vais pas le laisser gagner. Non, la clé en vrai, c'est vraiment de rester détendu. J'avoue que cet endroit, c'est un peu dur. Mais faut montrer aucune expression sur le visage, rester très très détendu. C'est la reprise, elle est toujours un petit peu délicate. Le lendemain. Le lendemain, c'est un petit peu comme un lendemain de cuite, le deuxième jour de tatouage, tu vois. Tu regrettes. Tu vois, là, ça fait une heure qu'on a attaqué, et tu peux clairement voir qu'il y a quand même une différence. J'ai mis les valeurs, les contrastes principaux. On peut voir le volume qui apparaît. Tu vois un peu le délire de la pièce. Le délire. C'est le délire.
Non mais c'est du délire. Tu vois le délire de la pièce. Mais c'est le délire, putain. Mais c'est le délire. Oh mais c'est le délire. Nicolas, tu te sens très mal. Non, ça va. Ah, tu fais le beau quand il y a la caméra. Alors dès qu'il n'y a pas la caméra, je suis en train de chouiner, ouais, putain, j'en peux... C'est une blague. C'est une blague. Nigo, c'est une blague. Putain, c'est vrai, c'est en français! Bon, je viens de terminer, donc maintenant tu vas pouvoir voir. C'était une journée bien plus longue aujourd'hui, parce que hier c'était vraiment une journée un petit peu... Mais bon, voilà, on a terminé. Là, tu peux voir, il y a encore du feutre qui veut pas partir. Noni! Ça te saoule, hein? Sur le haut de la jambe, ouais, ça me saoule. Et là, on est sur un 100% freestyle, tout simplement parce que j'avais pas vraiment d'idée quand je suis arrivé en termes de... Enfin, j'ai pas vu les images qui, je trouvais, pouvaient se mettre. Donc, j'ai juste pris un marqueur. Tiens, tu peux même te mettre devant. Là, j'ai pas pu, en fait, si tu veux, des fois, tu vois, quand il y avait ce petit truc, ce truc-là, le truc derrière, il y avait pas vraiment d'image adéquate. Mais le mieux, dans ce cas-là, c'est vraiment, tu vois, de dessiner dessus directement. Et voilà, l'inspiration de ces deux jours qui connecte avec la pièce que nous avons là, que vous avez déjà vu dans la vidéo, je te mets le lien dans la description. J'espère que ce blog en français, enfin ce vlog en français t'a plu. Si ça t'a plu, tu nous le dis dans les commentaires, tu nous donnes de l'amour parce qu'on t'a donné de l'amour. Qui sait, peut-être une chaîne YouTube en français, je sais pas, ça dépendra des retours. Donc donnez-nous la force, mettez-nous un pouce, lâchez des commentaires, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand on lâche une vidéo. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague.